Voilà, alors prochaine mission, on va aller à la taxi d'une dermite pépèche. La secte a énervé ma petite pépèche et ses petits fils de pute vont avoir leur bite arrachée. Si vous la voyez, prévenez-moi. Allez, on y va. Ah bah d'accord. Bon, qui c'est qui est mort encore? Oula, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans la grâce. Non mais je veux pas de ton haleine. Je sais ce qu'on raconte à mon sujet. Je serai une menteuse, une manipulatrice. J'empoisonnerai les esprits. Mais je vais te raconter une autre histoire. La vraie, cette fois. Il était une fois une jeune fille, mise à l'écart par sa propre communauté, harcelée par ses amis, maltraitée par sa famille. La drogue devint son seul refuge.
Elle était seule au monde. Elle voulait mourir. Puis elle rencontra le père. Elle reprit espoir et confiance. Le père lui montra qu'elle était spéciale, qu'elle était pleine de vie et d'amour. Il lui offrit une autre famille qu'il acceptait telle qu'elle était vraiment. La jeune fille retrouva le goût de la vie. Elle avait trouvé un but. Un jour, le père l'emmena ici. Il lui demanda si elle avait confiance en lui. Il lui demanda si elle voulait mourir pour lui. La jeune fille qui voulait vivre à tout prix prit peur. Le père lui dit que c'était une épreuve. Il aurait foi en elle, si elle avait foi en lui. Elle ferma les yeux. Et soudain... Le père tint sa parole. La voix de l'Éden éclaire pour tous les fidèles. Suis la voix. Assassin's Creed. Accepte la foi. Lâche prise. Oula. Bon. Prêt pour le saut de la foi? Accueille la parole. Je donnerai un sens à ta vie. Je te libérerai. Fin de l'histoire, elle mourut comme un caca. Voilà. Je suis où là? Toute personne à la recherche d'un abri peut se rendre à la prison de Hope County. On a des lits et de la nourriture. Tu te sens différente? Tu te sens vivante? Le premier pas est le plus stressant. Mais on a tous confiance en toi. Suis le pèlerinage. Suis la voie. On se verra bientôt. On va devoir se battre. Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici Virgil Minter, à la prison de Hope County. On a besoin d'aide. Je répète, on a besoin d'aide. J'arrive. Voilà. Un homme à terre!
J'ai besoin d'aide. Putain de merde. Les flingues s'enveillent. Toi. Il me faut plus de balles. Tu nous as vraiment sauvé la mise. Ça fait plusieurs jours qu'ils s'acharnent sur ces murs, mais sans succès. En attendant, on se retrouve dans un sacré merdier. Le camion arrive. Putain. Un docteur. Bon, j'ai besoin que tu montes sur ce mur. Allez, pousse tes fesses, on y va. C'est quoi ce bordel? Mais poussez-vous! Attends, tu vas morfler! Ouais! Et où? Mais. Ah! Oh, ils sont toujours plantés au milieu là! Oh putain. On est débordés. Ils ont franchi les murs. Ils arrivent. Ils sont à l'intérieur. Attention, ils arrivent. Mais... Ah, pousse-toi. Oula. Mais oh, pas vrai ça. Stop ce camion, il fonce à la porte. Ah, j'ai raté. Voilà. Roger, s'il y a un fer à souder quelque part, c'est Footy qui s'en servait. Retrouve-le. Toi, suis-moi. Rapporte du métal, et si t'as besoin de dégonder les portes des cellules, fais-le. Au boulot, on n'a pas beaucoup de temps. Des problèmes? Non. Des cinglés ont escaladé le mur, mais c'est bon. La porte? Je crois que c'est pas trop grave. Ça va aller. Continue d'appuyer. Tu sais, je voulais prendre ma retraite l'an dernier. J'avais peur de me faire chier. Eh, hey, vous faites les présentations ou on va rester là planté comme des connards? Langage. Oh, la ferme, Virgile, pas maintenant. Je te l'ai dit, la vulgarité est un signe de... Tu ne portes pas ton insigne. Non, vous êtes perspicace. Combien de personnes on a perdu? On est des cougars. Pas vraiment, non. Tiens, moi je porte mon insigne. Le shérif aussi porte le sien. Cette personne porte... Désolé, qui est-ce? Ça, c'est l'un de mes officiers. Vous aviez pas dit que vos officiers avaient été enlevés? Non, pas celle-ci. À ce qui paraît, elle mène la vie dure à ceux des Dunsgate. J'adore son t-shirt à la fille. Bon, j'espère que vous aimez bosser. On n'aime pas les feignasses. Tracy est cool une fois qu'elle te connaît. C'est vrai pour le boulot, par contre. C'est pas ce qui manque par ici. Il suffit de demander, c'est tout. Content de te revoir, toi. Ok, bon. Là, j'ai eu un pins. Belle journée.
Contente de savoir le shérif White Horse à la tête des opérations. Officier, c'est pas mes affaires, mais vous devriez aller parler à Virgil ou à un des autres. Ils savent quels endroits on devrait attaquer. Une belle journée. Si jouer avec ce temps-là, on va bien arrêter un bâtard. Faillissement. C'est tout ce qu'elle sait faire. T'éternise pas dans cette brume. Là, y'a rien. La première fois que j'ai chassé cette eau. J'ignore combien de temps on tiendra encore. Viens par ici, petite. La pauvre bête, elle a haleté jusqu'au bout. Oui, monsieur. Très franchement, je pensais pas qu'on se reverrait. Après l'accident, Je me souviens du brouillard. D'avoir marché dans un champ. Et puis je l'ai vu. Tu l'as vu aussi, pas vrai? Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle puisse promettre, elle ment. Ne t'approche pas d'elle, ou tu risques de finir comme le Marshall. La grâce, ça fait tout oublier. Ça te libère. T'as juste envie de rester là à jamais. Mais tout est faux. Rien n'est vrai. Si Virgil et Tracy m'avaient pas trouvé, j'y serais encore. À nager dans un océan de grâce. Prisonnier de mon propre esprit. Ces deux-là m'ont sauvé. Ces cougars, c'est des gens bien, mais ils vont pas tenir longtemps. On doit les aider. Personne ne le fera, sinon. Une dernière chose. On avait un médecin, enfin un véto, mais il fait de son mieux. Il a disparu depuis quelques heures. Je sais ni pourquoi, ni comment. Essaie de le retrouver, d'accord? C'est bien que la brume ne puisse plus... Mon grand-père s'est évadé d'ici, à l'époque. Je serais pas là s'il était resté coincé. Y a rien de plus beau que le ciel du Montana. Qui aurait imaginé que l'ancienne prison se transformerait en planque pour la résistance? Ton shérif a l'air de savoir ce qu'il fait. Tracy, je la connais, mais elle est pas bien bavarde. Et Virgile, bah... C'est Virgile. J'aime pas trop les politiques. Fais ce que tu peux pour les aider. On se tient au courant. Dites, officier, je peux vous parler? Voilà la clé d'une société libre. On boxe plus dans la même catégorie. Oui. Notre principale mission ici, c'est d'arrêter Faith. Elle m'a tout pris. Mon boulot, mon mariage, même mon fils. Et tout ça pour cette drogue, la grâce. Vous êtes un cougar, maintenant. Une équipe, ça s'entraide. Et j'ai justement besoin de vous, officier. Vous connaissez notre station de traitement des eaux? La secte l'a prise et y injecte de sa grâce. Vous le croyez, ça? Envoyez ça dans l'eau potable! Quel monstre peut faire un truc pareil? Pas question qu'elle continue. Écoutez-moi bien, on va mettre un terme à tout ça, rapidement. Vous en dites quoi? Les armes automatiques? Ok. Rappelle-moi de te montrer mes couteaux. On peut pas y aller. Alors... Prudence, y'a que des mirages dans cette... J'ai une mission pour toi. Ces deux derniers jours, pas mal de gens ont disparu. D'après ce qu'on sait, ils touchaient pas à la grâce. On nous a parlé d'un endroit qui serait dirigé par un des lieutenants favoris de Faith. Le genre d'endroit dont on revient pas. Torture, noyade, sacrifice. Ouais, c'est sympa, quoi. C'est là que finissent tous ceux qui refusent le pèlerinage de Faith. Je crois qu'on a un gros problème. Et j'ai besoin de quelqu'un pour le régler. Quelqu'un qui saura se démerder s'il s'avère que toutes ces conneries sont bien réelles. Fais bien gaffe à toi. «
vent favorable. Mon officier est en route. Bonjour. C'est la première fois que je vais en prison, mais c'est la première fois que ça fait plaisir. Beau travail à la prison, officier. Des lingots en argent, super. Whitehorse est fier de toi. Pour bien chasser, il faut un chapeau et de la patience. Un chapeau pour les filles, la patience pour les filles. C'est un chouette fumoir pour les poissons. Il protège la statue 24 heures sur 24. Ça va pas être évident de l'attaquer. Non, mais on n'a pas vraiment le choix si on veut attendre Faith. Elle les retourne tous avec ses conneries. Je veux lui donner une leçon. Merci pour les infos. On saura les utiliser. Pas de problème. Bonne chance. Madame, ouais, ça qu'est-ce va que dit hey. Désolée pour mon attitude. C'était pas cool. Demandez à qui vous voulez. Je suis douée. Mais j'adore ton t-shirt, hein, vraiment. Mais la reste. J'essaie de changer. Bon, on recommence. Bienvenue. L'équipe va vous plaire. Tout le monde est costaud. Et il faut bien avec ce qui nous attend dehors. J'espère qu'Earl se trompe pas sur vous. On essaie tous de trouver un moyen de vaincre Eden's Gate. Et à mon avis, ça passera par Faith. C'est comme ça qu'elle se fait appeler en ce moment. Vous voyez cette immense statue sur la colline? Évidemment, on ne peut pas la rater. C'est ce bon vieux Joseph Seed. Le père. Faith a demandé à ses fans de construire cette horreur pour son pèlerinage de merde. Vous les avez vus? Ces pauvres tarés qui défilent jusqu'à la statue? C'est horrible. Faut qu'on détruise cette statue. Histoire de faire savoir aux tarés que leur père n'est pas un dieu. C'est seulement un homme. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Faire un bon gros trou dans cette saloperie? Les gens se démerdent comme ils peuvent ici, mais ils n'ont pas le choix. Si tu veux qu'on fasse tout à ta place, j'aime pas quand le temps est trop. Oui, on va faire un trou et un gros. Alors. Tiens, bah, on va commencer par la statue, c'est le plus près. T'en as bavé, mais regarde, la prison est là. Ça serait passé par là. C'est pas vraiment une route. Bon, je vais tout droit. Voilà. Thank you.
Ensuite, première à droite. On va faire le reste à pied parce que je vois un truc là-bas. Change de place. Elle veut pas crever celle-là. Hein. J'en suis sûr. Je ne peux pas mourir. Pitié, quelqu'un à l'aide. Un ennemi. Bah alors les mecs. Animal repéré. Wow. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Ah, c'est bien un bison, c'est bien ce que j'avais vu. Aïe, mais... Eh oh là. Ça crame tout sauf le camion. Je change de position. Aurait pu être pire. Je suis mal placé. Change de place. Recharge. Peut-être quelque chose d'utile. Change de place. C'est parti. Yo, officier. La statue, c'est un gros morceau de ciment. Va falloir une arme lourde pour la bousiller.
ou un machin volant avec une mitrailleuse. Vous avez du talent. Vous trouverez bien. Ça s'est pas trop mal terminé. Alors... Je bouge pour trouver une meilleure vue. J'ai repéré la cible. Oh, j'ai fait un gros trou dedans. Tiens, c'est le cachet du soir. Et voilà. Entrez dans la statue. Hey, si vous voulez encore foutre le bordel, j'ai une idée. Faith planque son exemplaire perso des délires de Joseph dans cette horreur. Grimpez dans la statue et brûlez ses feuilles. Montrez-lui ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes. Vous verrez des échelles qui permettent d'arriver en haut. Trouvez les leviers et actionnez-les. Ça les abaissera. Rechargez votre arme tant que vous pouvez. Il y en a d'autres qui arrivent.
signal des hélicos dans votre direction. Ouvrez l'œil. Attends, j'ouvre le coffre. Je vois ce que tu as fait. Je sais voilà. Ce que tu fais. Je ne suis pas en colère. Juste déçu. Mes fidèles vont venir te signifier mon mécontentement. Allez, 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 plus vite. Non, descends pas. Ah ouais, ça c'est ma partie préférée. À moi le bouquin. Il n'y a plus qu'à sauter. Hein. Et on dirait bien qu'elle a envoyé des élus, les membres les plus durs de la secte. Fais bien gaffe à toi. La brume arrive, ça va te faire halluciner. Et si tu restes dedans trop longtemps, tu pourrais bien finir comme le Marshal. White Horse, terminé. On va faire eau purifiée et après on ira chercher le docteur. Voilà. Thank you.
que j'ai besoin de munitions. Oh putain. C'était quoi cette espèce d'ours bizarre là ?